Merci d'être avec nous, Sonia Rollet. Vous vous êtes plongée justement dans cette enquête réalisée par l'agence de presse économique Bloomberg. Que sait-on déjà de la fortune de Zoé Kabila Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il a des parts euh, directement ou même le contrôle pratiquement effectif d'au moins 12 sociétés. Donc, ça, c'est déjà. Une, une première idée et vraiment une construction qui s'est faite euh, avec le temps. Par exemple, le Number One Contracting euh, a été une société qui a été particulièrement florissante dans, dans le bâtiment. Euh, dans cette société, euh, il a euh, à peu près 50%, 60% des départs des et euh, cette société a eu donc euh, 11% du marché de la construction euh, pendant 4 ans, mmh. entre 2004 et, et 2008. C'est donc des dizaines de millions euh, de dollars de, de revenus chaque année, 14 millions même pour être exact par an. Euh, ça, c'est une société. On connaît Kocha euh, Investment euh, qui a construit un, un hôtel de luxe euh, sur la côte, par exemple, qui est, euh, qui est connu, euh, qui a des parts dans beaucoup d'autres sociétés. Notamment dans des compagnies aériennes, bon, dans aérienne, une chaîne de fast-food. Nando, exactement, sur lequel il a pris des parts. Donc tout cela, on, on, on l'a vu se développer. Donc parfois, il prend le contrôle avec certains membres de sa famille des enfants, par exemple, du président, se retrouvent en, en, en relation d'affaires avec ses frères et ses sœurs, ça c'est assez courant. Et donc, tout cela est entremêlé. Euh, et aujourd'hui, en fait, euh, bon, il, ne se, il ne se cache pas hein, de, de, de cette fortune-là. Cet, cet hôtel de luxe a été inauguré par, par son frère l'an dernier en grande pompe. Il y avait les ministres qui étaient là. Ça a été reconnu comme étant un gros investissement euh, euh, en termes de développement et de tourisme. C'est un hôtel de luxe auquel la plupart des Congolais ne peuvent pas accéder. Évidemment. Alors vous citiez à l'instant euh, l'entreprise euh, Number One Contracting. Elle est intéressante cette société parce que le, le nom de Zoé Kabila n'apparaît pas euh, forcément et systématiquement dans toutes les sociétés, en l'occurrence dans celle-ci. Parfois, il utilise un pseudonyme, celui de son père. Oui, et j'ai souvent des anciennes identités qu'ils ont utilisées pendant la guerre euh, sur lesquelles ils ont pu avoir des papiers d'identité à, à une époque. Euh, C'est Zoé Francis Ptoilet. Donc là, évidemment, on... C est, c est, il ne se cache pas vraiment quand il utilise ce nom, tout le monde sait que c'était le, le pseudonyme de son père. et c'est ça justement qui est intéressant, c'est qu'il ne se cache pas vraiment en fait euh, euh, parce que tout simplement il est député, il peut avoir euh, des activités commerciales et ça c'est clairement expliqué. Alors, Bloomberg, dont on parle et qui est à l'origine de cette étude, a publié un autre rapport avec le groupe d'études sur le Congo, qui est un groupe de recherche basé aux États-Unis. Et ce rapport-là s'intéresse vraiment à la richesse de tout le clan, de tout le clan Kabila, de toute la famille. Voilà, c'est ça. Il y a une dizaine de personnalités qui sont citées. Il y a même un. un un tableau absolument gigantesque où on voit chacun des membres de famille et les parts qu'ils ont dans les autres, avec, euh, avec des liens qui lient euh, toutes ces sociétés, donc ces quelques 80 sociétés, avec ces dizaines de, de personnalités, donc les frères, les sœurs, mmh. les enfants du président, la femme du président, tout le monde est dans ce, 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 ce business-là. Les enfants que, du président qui sont, précisons-le, mineurs. Oui. Oui, oui, ça, euh, on fait les affaires en famille. Oui. Ça, c'est très clair. Et euh, on voit par exemple que le, 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 la famille, le clan Kabila, euh, a, euh, en termes de propriété terrienne au, au Congo, dix euh, fois l'île de Manhattan, par exemple. Ou euh, un niveau de, de miniers sont liés à des miniers sur la frontière avec l'Angola, donc au Kasai, pour 720 kilomètres. De, de concessions mmh. minières, qui la plupart du temps, ils exploitent même pas, en tout cas officiellement, puisque c'est un contrat de force majeure, c'est-à-dire que c'est une sorte de coffre-fort. Ils ne l'exploitent pas, ils ne payent pas de taxes non plus, mais ils l'ont, en termes de concessions, jusqu'à ce qu'ils décident de ne plus l'avoir. Ouais. D'où vient tout cet argent Alors, ça, c'est le, le plus compliqué. On sait qu'il y a eu des deux guerres au Congo. Euh, on sait euh, que pendant ces guerres au Congo, les rébellions auxquelles ont participé notamment la, la famille du président, Laurent-Désiré Kabila, Joseph Kabila, euh, on eu des, des territoires euh, au Congo sur lesquels il y a eu des affaires qui ont été faites. On était en période de guerre, il n'y avait mmh. pas encore de, de, de règles. On peut tracer le début de la fortune des Kabila à partir de 2002 et du code minier, par exemple. À partir du moment où un, un groupe comme le groupe d'experts euh, qui s'occupait justement de l'exploitation illégale des ressources commence à faire des rapports, là, on peut, on peut commencer à, à avoir des documents intéressants. Euh, mais c'est surtout ce qu'on sait, c'est que la propre mère du président disait à l'époque en, en 2006 euh, que finalement, elle n'avait qu'un petit lopin de terre en Tanzanie. C'est-à-dire qu'avant la guerre, ça mmh. c'est clair, c'était une famille plutôt pauvre en Tanzanie qui vivait sous la protection du, du, du régime tanzanien et qui euh, a commencé à s'enrichir à partir du moment où la, cette rébellion a commencé. Donc ça, c'est ce qu'on sait, mais c'est vrai que sur l'origine de la fortune, et c'est toute la question euh, qui est posée par ces rapports, c'est d'où vient cette fortune-là, comment peuvent-ils. Accroître leur fortune comme ça et avoir autant de contrats. Euh, Jean Faustin nous demandait, et, et rapidement Sonia Rollet, parce qu'on a d'autres questions sur d'autres sujets, euh, comment l'agence de presse et le groupe d'études sur le Congo ont-ils réussi à obtenir tous les documents permettant de, de réaliser un tel rapport ben, C'est là où on voit qu'en fait, il y a toute une partie qui n'a pas été faite euh, sur le Congo, puisque toutes les sources publiques. Mm -hmm. C'est le journal officiel, en fait. C'est le registre du commerce. Euh, C'est euh, un site internet sur lequel on peut trouver toutes les concessions minières, parce qu'il y a eu des efforts comme ça. Mais euh, eux ont fait finalement 1 plus 1 euh, mmh. égale 2. Donc ils ont fait vraiment ce mapping-là euh, des propriétés de la famille, mais ce n'était pas caché. Euh, pas... Et donc sur le fond, il euh, n'y a pas grand-chose qui a été répondu par la famille elle-même, parce que euh, tout est finalement écrit noir sur blanc. Ouais, donc gros travail quand même de compilation, d'études, de... même si tout était finalement euh, public, puisqu'il ah, suffisait pu d'aller euh, jeter un coup d'œil dans le journal officiel en l'occurrence.